Oh, t'es moche, hein. Non, je suis trop stylé, mec. Oh là là, oh, les dégaines. Oh, t'es trop délicat. Ah bah, je suis docteur, hein. C'est quoi que j'ai dans les mains? Je vous rends ça, Bob. Vous avez retiré l'intestin, Dr. Johnson. Il est en train de pisser le sang. Il a 900 millilitres. Eh ben... Aide-moi. Non, mais c'est trop tard. Il vole le sang qui remonte. Il lui faut juste l'estomac. Il a un foie et deux reins, là. Là, ce que je tiens dans les mains, c'est un estomac, non? T'as de voir ça? Ah. Faudrait pas le salir. La règle des 5 secondes. Yeah. Et tiens, et prends ça dans ta gueule. Non, mais il y a une jambe, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon du tout, il a deux jambes. Ah, oh, qu'est-ce que t'as sur le doigt? Oh, y'a un nounours. Oh, tu veux te faire opérer, t'as ces deux connards qui arrivent. Alors, on sort d'un accident de bus, mais tranquille. On vient de finir de m'opérer, mais il y avait plus de docteur, du coup, je prends la relève. Il carré. Il trifouille ses doigts dans les intestins, là. Oh, bah... T'es chaud, t'arraches le truc et moi je dirais que je lui enfonce la seringue dans la gorge. Attends, parce que on va essayer de faire ça bien. Oula, j'ai failli lui trancher la tête. Faites ça bien, professeur Johnson. Ah, merci. on va reprendre. Docteur. Vous êtes en train de le tuer. Vous êtes en train de le tuer. Attends, je vais lui remettre son bras parce que je crois pas que c'est lui qu'il fallait lui enlever. Le truc, c'est que quand je lui ai enlevé son cœur, il a volé quelque part. Là, il y a des poumons. Si vous voyez un cœur. Ah, bah il est là. Il s'en servait comme coussin, le con. Merde. Oh, il a décapité Bob. Mais comment on fait pour qu'il perde pas de sang? Vous en faites pas, Dr. Johnson. J'ai appelé un ami. Il est en chemin. Il va venir. Un ami, mais c'est un chirurgien au moins ou... Mais il a son doctorat depuis 15 ans. C'est ce qu'on dit, les grands espèces. Mais il a son doctorat, mais il pratique, le monsieur. Non, mais fais pas, moi. C'est bien, il a le diplôme, mais il travaille, le bougle. Putain, ça marche bien, pour une fois. Vous avez survécu d'Auschwitz ou quoi? Professeur Johnson, mais... C'est bizarre que vous sortiez d'Auschwitz et vous voyez ce signe, hein. Non, mais là, c'est... attendez, monsieur, là, regardez le professeur Johnson, je crois qu'il est en train de faire quelque chose de recommandé, là. Bon, je vous envoie les outils. Il n'y a pas besoin d'outils, frère. Regarde, non, regarde. Oh putain, j'allais dire, j'ai même t'arraché, moi j'arrive. Si, j'ai arrivé. Attendez. Hein? Il est mort. Déjà? Il commence avec genre 800 millilitres de sang, lui, donc je vais. Ah oui, il prépare la seringue, Nico. Alors, tu prépares la seringue? Oh là, ça va, ça descend si vite. C'est bon. Franck, j'arrache la tête d'un patient. T'as de la chance. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il a... Oh, c'est quoi, c'est encore? C'est bon. J'ai pas de marteau, je fais que les moyennes du bord. Docteur Johnson, essayez avec ça. Hop là, la bouteille d'absinthe, c'est ça a marché. Attends, déjeuner-toi à la plaie. Attendez, j'ai des effets. De toute façon, y'a pas le choix. Comme faut y aller. Seringue pour arrêter l'hémorragie. Comme faut y aller. J'ai le bras. Voilà, bon, j'ai tout enlevé, vous ferez le tri, hein. Oh putain, la catastrophe. Oh, la pire opération. Mais ça s'est très bien passé. Bah salut là. Oh non. Ah, le docteur Johnson, il est en vacances. Et du coup, c'est moi qui prends la suite là. Le docteur Johnson est malade. Alors sachez que je suis sa fille, hein. Donc vos conneries là, s'en passe. Montrez-moi votre CV là. J'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. C'est ma propriété, c'est moi qui ai acheté l'établissement. C'est mon hôpital. Vous appelez comment du coup? Métier. Comme le fouet, la mieux. Reculez si vous voulez. Faites voir. Oui, tournez-vous là. Reculez. Mamacita. Oh, je comprends pourquoi le docteur Johnson vous a embauché. Oui, restez dans mes quartiers là. Oui, c'est mes quartiers, vous pouvez rester dedans. Venez avec moi. Oui, là. Allez au fond de la pièce. Allez contre le mur. Allez contre le mur. Tu vas me monter ta chatte, putain. On se tape une saison pseudo japonaise, mais couille, y a pas une seule map japonaise dans l'outil. Son cœur de weeb est vexé. Mais non, c'est pas mon cœur de weeb, c'est juste. Il y a intérêt que le nouveau perso, ils disent Naruhodo quand il recharge, parce que sinon, moi je suis pas content. Si à chaque fois qu'il affronte un ennemi, il dit pas caca tes couilles, moi je désinstalle. Ta gueule, ferme ta gueule. Oh, la cinématique connaît des ennemis. Nous, les samouraïs, on utilise des sabres, des katanas. Et vu qu'ils utilisent des M16, on a décidé d'utiliser des armes à feu aussi. Ok. Ah ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que t'as, attends, t'es sur le point de lâcher un freestyle, enculé, c'est quoi ça? Ok. 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 Yeah. Yo. Ce gueule ne tue pas, en fait.
Ok, Niska sur Skyrock. Calmez-vous, on n'est pas encore sur l'antenne. Oh, ils sont mauvais, hein. Ouais, ils sont pas incroyables. Ouais, ils sont... Et en même temps, tu joues avec une arme pas folle, mec. Si tu joues avec une bonne arme, je peux te garantir que tout ira bien dans ta vie, mec. De toute façon, je serai quand même pas roi de français. Le camouflage en or, il va se monter tout seul. Ah, tu personne avec ce gun, personne. Juste avec une grenade, juste avec une grenade, toute la partie. Ça ne tue pas, ça ne tue pas. Voilà. Je pense pas que c'était une bonne idée de retourner sur ce jeu. Oh, allez, mais que des maps de merde, on se tape. Ouais, une nouvelle map. Ouais, c'est un mosh pit. Oh, mais qu'est-ce que il a dit quoi? Mais rien, rien, c'est un petit con. Il a dit quoi? Mais rien, c'est un petit con, c'est un petit con. Il a dit quoi? Feur. Il a dit quoi? Feur. Chasse, il a dit quoi, idiot? Oh, le vent. Mais c'est quoi ça? Il se passe quoi là? Il a dit, c'est quoi ça? Là, il se passe quoi? Après, par contre, je commence à parler comme un gros schlag là, à utiliser que les premières syllabes d'un mot et pas le reste. Je vais finir comme Jonathan Cohen à parler comme un mec de 12 ans là, 46 ans. Et le gars, il me regarde dans les yeux là, et quand même, c'est quand même. Ah, tu le fais bien. Jonathan Cohen. Non, mais ça me saoule. Au taf, je dis, est-ce que je pourrais avoir quelque chose, s'il vous plaît? Ça m'a surpris à quelle fois tu l'as bien fait. Quand ton frigo, il pue, mets du PQ dedans. Pourquoi? Parce que ça va aspirer les mauvaises odeurs. Mais si ton frigo, il pue, nettoie-le, en fait. Ça, c'est de clochard. C'est quoi cette technique de gros dégueulasse? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Toi, t'as vu ça sur TikTok encore? Oh, le site de Clodo, là. Non, mais j'hallucine. Et quand t'as de la merde au cul, mes deux caleçons... Un propriétaire a découvert le cadavre de son locataire mort depuis 4 ans. Sur Rémi, je vous ai oublié de Pierre. Ouais. Mais oui, mais apparemment, et le... attendez, Pierre, c'est que le mec est mort depuis 4 ans, mais le mec est allé à l'appartement parce qu'il recevait plus les loyers depuis 6 mois. Oui, parce qu'en fait, généralement, les vieux, ils ont... ils sont automatisés. Enfin, bon. Tu vois, juste un tas de poussière au milieu du sol. 4 ans, c'est des os, hein, je suis désolé. Hein. Il y avait dans les commentaires, il a marqué peine de mort pour le propriétaire. C'est arrivé dans l'appartement de ma grand-mère, il y a genre, je monte, je prends l'ascenseur, je dis, mais putain, mais ça pue le rat mort, tu vois. C'est... Oh non. Je connais un peu ce que c'est l'odeur du rat mort, mais là c'est vraiment extrême. Je sais pas si t'as déjà senti un coup de personne morte, mais en fait c'est horrible. Rien que la phrase du je suis habitué à l'odeur du rat mort. Déjà. Et j'ai dit à ma grand-mère, ouais, c'est chaud là, tu vois. Y a un truc qui va pas. Elle m'a fait, ouais, je sais. Un jour on s'en sort avec les colocataires. Ils ont appelé les pompiers, ils sont allés défoncer la porte de mes corps, mort depuis genre, je crois, une semaine et demie. Non, mais en plus, quand t'es mort, tes sphincters ils se lâchent. Ah oui, en plus, oui, bien sûr, on t'enlève une grosse flaque. Hein, oh les mecs, ils ont dû faire aller à 3, 1, 2. Oh, ça a dû tomber. Joli. Incroyable. Oh, quel fils de pute que t'es, Nico. Nico. Oh, Michael Jackson, là. Tu parles à Michael Jackson. Ouais, un peu. But. Voilà. Nico va te faire enculer au tribunal. Non, Nico, tu veux vraiment pas commenter. Nico, tu veux me donner tort. Non, mais frérot, je suis désolé. Ah ouais, Nico, ça aurait dû rentrer deux fois. Nico, ça, il se focus. Oh, il y en a un avec un bandeau. Oh non, il y a Socrates, le retour. Ouais, les deux au bandeau, ils vont casser les couilles à faire les skis là. Oh, oui, j'aime bien le terrain. C'est un terrain de football américain, c'est drôle, j'aime bien. Oh, bah, voilà, allez. Fais du gris-gris en cul, vas-y, fais du gris-gris. Oui. Ah, c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais. Attends, Nico qui est déjà à 8 de notes alors qu'il est à la deuxième minute. Joli. Non, t'es trop, le jeu est terminé, on le fume ce jeu, on le mange ce jeu, et ce jeu, on le graille, j'en ai rien à foutre. Ah voilà, allez, let's go, on en fait là, on en relance pas. On le graille, on le mange ce jeu, j'en ai rien. Bam. Oh, let's go. Oh, quoi? Non, c'est du vol. C'est du vol à l'état, l'âge, le vol brut. C'est du vol dans les caisses de l'état, ça, putain. C'est quoi, du vol dans les caisses de l'état. Garde, tu veux faire quoi derrière? Je vais tout péter. Je vais mettre un rôle dans mon putain d'écran, là, 140 Hz, là. Tu veux faire quoi? Littéralement, Nico, on a un coup de bol. Il se prend le poteau, même pas, il peut rien faire. Derrière, le mec fait un putain de L1 triangle de fils de pute. Ça atterrit laser dans ses pieds. Le mec est pas hors jeu. Y'a rien à faire. Putain, ça a commencé tellement bien et le jeu, il a dit, allez, il gagne. Arrêtez de vous amuser. Le jeu nous a ken, hein. Ouais, littéralement, bon, sur l'action, évidemment, le jeu nous a ken. Mais derrière, là, leur gardien, il a été imbattable. Hein. Putain, j'ai envie de mettre point du dragon de Goku petit dans mon écran. Vraiment, clac. Ever noticed how after a breakup, the loyal one stays single and deals with the damage, while the one who didn't care is already in a new relationship? Avec la musique, en fait. La musique. À la fin, quand elle regarde sur le côté, en mode, oh là là. Et elle bouge la caméra en mode, putain, j'ai trop bien, super intelligent.
Mais oui, bon. La description. La description. Is this true? Point d'interrogation, emoji cœur brisé. 339 000 gemmes. Oh, et après, dans les commentaires, c'est que des commentaires misogynes. Hein, ouais, la plupart du temps, c'est des gros. C'est des gros. Je veux dire, il y a un grognasse. Rien qui va. Ouais, et puis vraiment, quoi. Mais en plus, Suki Loyal, il pleure alors que l'autre, il est déjà en cours. Merci de nous apprendre. Merci d'utiliser ton cerveau hein, pour la première fois de ta life. Est-ce que tu savais que dans un couple, celui qui mettait fin à la relation, c'est celui qui voulait plus être en couple? Tu savais quand tu signes le papier du divorce, ça veut dire que vous êtes plus mariés? Tu savais que quand tu... tu pêchais dans l'océan et que tu tuais les poissons, ça veut dire qu'il y a moins de poissons dans l'océan. En général, dans une relation, quand elle commence à être un peu froide, ça veut dire que la relation s'est finie. Oh, ça... oh putain. Quand un chien se couche la queue, ça veut dire qu'il est content. Quand il a se coupé, il est plus content. Quand tu gargouilles, ça veut dire que t'as faim. Qu'est-ce que tu veux manger? En vrai, c'est tellement géré, je m'attendais tellement pas à ce type de musique. Je crois même pas, hein. Réveil à midi en vrai. Hein. Ça fait 6 heures de sommeil, c'est une large suffisante. Ah, si t'as la marge de te reposer un peu plus pour une fois, frère, profite. Hein. Donc ce week-end, tu vas. Attention, t'es mon père et mes rêves de gosse. Ne m'écoute plus. C'est bon, je suis là. Putain. J'ai marre. Hello. Caramel.